Jusqu'à combien de fois vous commandez au monde pardon en tant que chrétien? Jusqu'à combien de fois vous commandez au monde pardon en tant que chrétien? Bonjour, bonsoir, salut. Frère Marcus, en Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit côté, où y est, qu'on y a même, ou obtenant d'enseignement ça. Frère, moi, qu'en Haïti, ou à l'étranger, quel que soit côté où il est, frère Maxime, eh bien, cet esprit bon Dieu rentre la caillou. Qu'on y a même, et moi, je voulais dire nous, très spécialement, moi, remets nous en Jésus-Christ. Donc, bonne attention et bon discernement dans le Seigneur Jésus-Christ. Petite leçon, nous, pour aujourd'hui, à ces gens là, jusqu'à combien de fois au cas mandé un frère, un prochain, yon moun, n'importe moun, quel chrétien, quel païen, jusqu'à combien fois commander le pardon en tant que chrétien. Donc, nous connaissons, nous te faisons enseignement précédemment, nous te faisons enseignement, côté que nous te, ouais, pi gros défi chrétien ou pas qu'à lever dans la vie chrétienne, yo, c'est mander pardon. C'est coubé, c'est baissé, surtout le yon. Mais selon la Bible, notez ça, et selon Romains 12, verset 21, parole de bon Dieu dit, pas quitter mal la vaincre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si c'est ou même qui a raison, mandez mon pardon. Ni même qui faut, mais mandez le pardon. Mais, bon problème dans ça. Il y a des gens qui profitent de l'humilité, qui profitent de la sagesse, qui profitent de la douceur, compréhension. Saint-Esprit mette en dans monde pour profiter de faire mon nom s'arrouver. Pour profiter de faire mon nom monter du ciel par dos. Donc, c'est là le danger. Ça veut dire, automatiquement, tout de suite après enseignement, ça a. Deux enseignements supposés marcher ensemble. Un chrétien doit être toujours prêt pour demander pardon. Le blesser au monde, soit par parole ou bien par action. Et enseignement ça tout de suite doit succéder. Ok? Enseignement, pardon. Qu'on y a, faut qu'on ait combien de fois on est capable de demander mon pardon. Tout. Parce que la Bible parle sur ça. Donc, deux enseignements, ça y est, ils marchent de pair, ils marchent ensemble. Quand finir, demander pardon, il faut voir combien de fois qu'on demande pardon. Donc, c'est ça, nous allons voir ensemble. Là. Et, parce que il y a des gens qui tout profitent. Parce qu'ils connaissent, ils jouent sous sagesse maintenant. Ils connaissent, ils demandent pardon, tout profiter. Quand ils disent, ils profitent, faire style. Ils profitent, faire maintenant, monter le ciel, pardon, faire méchant, faire. Fait style, fait toute sale qu'on n'est pas bon pour mon a toujours demandé le pardon et puis même pour la faire style. Il y a des gens qui font ça. Donc la Bible va demander ça. La Bible, pas aucun côté dans la Bible qui dit pour un chrétien sans honte. Au contraire, la Bible bave les chrétiens sans honte. La Bible bave les petits sans honte. Nous allons voir ça tout de suite là. Donc, nous allons aller directement dans Matthieu 18, verset. Nous allons dans Matthieu 18. Versets 15 à 17. Nous songeons dans Matthieu 18, verset 15 à 17. C'est qu'à côté que si on fait péché, eh bien, qui ça la Bible du café dans verset 15, il dit, ou après les mouna à deux, et pour parler avec elle. S'il pas attendait, dans verset 16, il dit, ou après les deux, ou bien trois autres mouna, et puis pour nous régler les choses là. OK, pour qu'a gagne 3 témoins, pour qu'a gagne pour bailler la régler sur 3 témoins. S'il pas attendait OK, 2 ou 3 moun ça relé a, qu'on y a 3e fois ou après l'église. Et si qu'on y a là, ou mettez l'église à au courant. Malgré ça, il toujours fait la sous d'oreille, il pas attendait l'église, il fait tête dessus
Et bien là ça la Bible dit on va considérer comme un païen, on va considérer comme un païen. Et publicain, publicain ça veut dire mon qui dans toute vie vie qui pas bail Saint-Esprit mon Dieu porter sac pour lui, qu'on dit mon yo. Ou bien pas bail porter sel pour lui. Donc c'est ça Matthieu 18 verset 15 à 17 dit. Maintenant, nous allons aller petit à petit pour qu'on comprenne parce que c'est un enseignement. L'enseignement c'est la révélation même. L'enseignement de la parole c'est la révélation. Donc l'enseignement de la parole c'est pas le texte. Non non non, qui est important. Mais c'est les révélations, les choses cachées. OK? Donc les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées, la révélation, sont à nous, sont à moi-même avec vous. OK? Donc, attendez bien, oui? Selon Matthieu 15, Matthieu 18, alors, excusez-moi, selon Matthieu 18, verset 15 à 17, soit comptez ou après verset 15, c'est première fois, verset 16 a fait deux fois, verset 17 a fait trois fois. Est-ce que nous là? 1, 2, 3, verset 15. Première fois, où est le monade? Deuxième fois, où est le deux ou trois témoins? Troisième fois, où est l'église? Et si qu'on y a troisième fois, pas attendez, la Bible bombe droit. Après troisième fois, pour moi, considérer mon ça comme un païen. Ça veut dire, je ne pas considérer comme frère Maxime encore. Je coupe toute relation que tu as gagnée entre moi-même avec elle. Seulement bonjour, je dis, parce que la Bible pas dit pour ennemi avec païen. La Bible pas dit ça. La Bible dit païen pas kazami on. Ça veut dire qu'on y a là si t'es gon on lien amical entre tout même amoun nan, ou ap couper lien ça sec, ou ap briser lien ça. Li pas zami on encore. Raison. Parce que si la Bible dit me considérer moun nan comme un païen, on va aller directement dans 2 Corinthiens 6 verset 14 à 18. Parce que si me considérer comme un païen, c'est un ténèbre, il fait partie de mon ténébreux. Est-ce que vous comprenez? Donc, païen automatiquement considéré comme païen, il vient ténèbre. Moi-même, moi, lumière. Donc, dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, parole de mon Dieu dit, Saint-Esprit, mon Dieu dit, si c'est lumière, je ne suis pas en affaire avec ténèbre là. Donc, si c'est chrétien, je ne suis pas en affaire avec païen. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que nous comprenons parole de mon Dieu belle, de pour comprendre la révélation? De pour comprendre la révélation profonde qu'il a donné, parole cachée, Jésus dit dans Luc 19, verset 21. Ouais, j'ai parlé, bon Dieu, belle. La Bible dit, mon ça, en première fois, me tenter à deux, en deuxième fois, à deux ou trois témoins, troisième fois avec l'église, en groupe, ça veut dire avec un groupe de monde, plusieurs autres monde. Ok? Maintenant, si mon n'a toujours fait la soudure, il n'a pas attendu la fête, il persistait. Il persistait. Dans l'erreur, la commettre là ou bien dans péché ou bien dans iniquité là, et bien la Bible bam droit pour me considérer comme païen. Ça veut dire la Bible bam droit pour me couper toute relation amicale qui te gagne moi-même avec mon ça, parce que automatiquement me considérer comme païen, il c'est ténèbre, mais moi c'est lumière, donc nous pas en affaire encore. Ça qui arrive, me dit bonjour, il dit bonjour, m'a répondre bonjour, et moi-même tout m'a dit bonjour. Et là encore, si me dit bonjour première fois, il pas répondre. Je suis sûr qu'il va répondre. En deuxième fois, il pas répondre. Je suis sûr qu'il va répondre. En troisième fois, il pas répondre. Je suis sûr qu'il va répondre. Pas dit bonjour encore. Voilà. La Bible me doit ça. Faut nous comprendre révélation. Parce que révélation, il pas paraître noir sur blanc devant. Non, non, non. Révélation pas jamais paraître noir sur blanc. Révélation cachée. C'est ça que fait Jérémie 33, cet esprit dit. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses cachées, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, révélation, pas paraître noir sur blanc devant. Non, 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 non. C'est quelque côté dans la parole, bon Dieu parle ouvertement. Mais généralement, Matthieu, dans Matthieu 13, 35, bon Dieu dit, depuis le commencement du monde, il a parlé en parabole. En parabole, là, ça veut dire qu'il a parlé par des révélations. La parler en révélation profonde. Vous comprenez? Ça veut dire automatiquement me considérer mon comme païen. Bon. Seul bonjour m'a pas mon ça, mais pas en même encore. C'est ça la Bible dit dans Matthieu 18 verset 15 à 17. Bon, on a les pieds devant. Nous pour aller dans Matthieu, n'a pas arriver dans Romains 12 verset 18. Dans Romains 12 verset 18, parole bon Dieu dit qui ça?
s'il est possible. Ça le dit? S'il est possible. Ou bien autant, si c'est possible alors, si c'est possible, autant que cela, et cela dépend de vous, on va être comme ça. Donc, waouh, pas songer exactement. Non, mais je vais mettre dans le contexte. Je ne vais pas songer français à Jean-Lié dans le second. Dans Romains 12, verset 18, soit regardé ou après ça m'a dit, parole bon Dieu dit, je ne pas songer français le second exactement. Je ne vais pas mettre dans le français. Pam. C'est, parole bon Dieu dit, si possible, faites tout ça qui dépend de vous pour en paix avec tout le monde. Si possible, vous avez dit? Vous avez dit, si possible. Ok? Si possible, faites tout ça qui dépend de vous pour en paix, pour toujours chercher en paix avec tout le monde, quel que soit le monde. Quel chrétien, quel païen. Vous comprenez pourquoi la Bible dit ça? Vous comprenez pourquoi ça ne pas précisé avec tous les justes? Soyez en paix avec tous les justes, ou bien soyez en paix avec tous les chrétiens, ou bien soyez en paix avec tous les saints. Yeah, c'est ça qui est synonyme chrétien dans la Bible. Ah, mais, ou bien soyez en paix avec tous les enfants de Dieu. Ça ne fait pas préciser comme ça. C'est parce que il n'est pas obligé chrétien seulement. Que c'est chrétien, que c'est païen, ou qu'à demander le pardon. Ok, il n'y a aucun problème. Que le chrétien, que le païen, de pour faire, demander le pardon. Il faut tout. Mandez le pardon selon Romains 12, verset 21. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, attendez bien les paroles là. Faites tout ça qui dépend de vous. Depuis ces deux où ça dépend, faites tout ça qui dépend de vous pour en paix à tout le monde, s'il possible. S'il possible. Romains 12, verset 18. S'il possible. Bon, attendez bien. Si la Bible dit c'est possible, ça veut dire, bon Dieu connaît qu'il n'est pas possible. Si Saint-Esprit dit c'est possible, avant de commencer, Dieu ça l'a dit c'est possible. Parce qu'il connaît qu'il n'est pas possible. Parce que il y a des gens qui drôle, il y a des gens qui sont possibles. Il y a des gens qui disent bonjour, il ne va pas répondre. Ou deux deuxième fois, il dit bonjour, il ne va pas répondre. Ou troisième fois, il dit bonjour, coup de bouche, il ne va pas répondre. Qu'on dit mon Dieu. Bon, est-ce qu'on est alors qu'à continuer à dire mon ça bonjour pour la festile? Non. La Bible connaît ça. C'est parce que c'est Saint-Esprit qui fait nous, il connaît dans nous bien. Il connaît nous bien, il connaît, il n'est pas possible. Donc c'est Saint-Esprit, bon Dieu, même qui dit s'il possible, ça veut dire s'il n'est pas possible, quittez mon repos. Pas y mettre encore. Pas dire bonjour encore. Pas parler avec encore, quittez le repos. Considérez comme pas à partir de la troisième fois. Yeah, selon Matthieu 18, 15 à 17, c'est trois fois. Parce que le Romains 12, verset 18 dit, autant que cela dépend de vous, autant, nous ne savons pas combien de fois. Ça compte pas plus de mon problème, autant, nous ne savons pas combien de fois. Il y a des gens qui ont dit, est-ce que ce n'est pas 77 fois 7 fois? Ça n'est pas biblique. Expression 77 fois 7 fois, pas biblique. Vous entendez? Nous allons dans Matthieu 18, verset 21 et 22. Apôtre Pierre, puis bas, te dit Jésus, amen. Combien de fois là pour nous pardonner un frère, nous l'aider à faire nos bagailles? Est-ce que c'est 7 fois pour nous pardonner? Jésus dit, m'a dit 7 fois, non? N'a pardonné 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois, ça veut dire 70 fois 7 fois. Est-ce que là? 70 fois 7 fois. Vous comprenez ça veut dire 70 fois 7 fois? Ça veut dire, les Jésus dit 70 fois 7 fois, attendez bien, oui? Il dit combien de fois si un monde fait mon bagage pour me pardonner? Attendez, oui? Combien de fois si un monde fait mon bagage pour me pardonner? Pas confondre avec un roi, non? Est-ce que vous comprenez? Or, dans Romains 12, verset 18, il n'est pas précisé. Si son bagage au monde fait, si c'est pardon à demander au monde, il seulement doit chercher gain la paix, chercher faire la paix avec tout le monde, tout autant ça dépend de vous, s'il possible. Ça veut dire là, il n'est pas défini, parole de bon Dieu, là, passage, Romains 12, verset 18, là, pas défini pour moi,
est-ce que c'est les mouna fait mon bagaille ou bien moi même si m'a demandé le pardon. Il seulement dit bat pour en paix pour m'entendre moi en bon créole. Bat pour m'entendre moi à tout le monde, quel chrétien, quel païen, tout autant ça dépend de moi. S'il possible, s'il possible. Donc s'il pas possible, désolé. Mais qu'on y a là, l'en a dans Matthieu 18, verset 15 à 17, tandis que si on fait péché, si on fait péché, ou carrément la deux. Il pas attendez, relez deux ou trois témoins. Il pas attendez, relez l'église. Ça, c'est s'il péché. S'il péché, ils font péché. OK? Bon, contre où? Ou bien contre l'église. N'est pas de péché. Mais la ligne générale. Maintenant, verset 21. Apôtre Pierre dit Jésus, eh bien, combien de fois m'a pardonné au monde? Combien de fois m'a pardonné? Sept fois? Est-ce que vous comprenez? Là, attendez bien, oui. Là, ou est-ce que différent? Ça veut dire, l'œuf ou frère m'a fait mon bagaille? Moi, m'a demandé le pardon. Là, moi, je suis parole, Romains 12, 21 qui dit, surmonte le mal par le bien. Ça veut dire pas même moi-même qui faisais les fermes puis demander le pardon. Mais si qu'on y a la m'a demandé mon pardon, c'est pas dans le péché non, m'a demandé le pardon. Et puis la méprisé-moi. Yep, la méprisé-moi. Ça c'est l'autre cas. Il méprisé mon première fois, mon deuxième fois, mon troisième fois, on considère comme pareil. Vous m'y attendez. Apôtre Pierre dit, est-ce que c'est cette fois m'a pardonné mon nom? Jésus dit 60, il dit 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois. Et pas 77 fois 7 fois. Ça va biblique. Donc 70 fois 7 fois, ça veut dire? Ça veut dire 77 fois multiplié par 7, multiplié par 70 encore, multiplié par 7, multiplié par 70, multiplié par 7. Mais ça veut dire, yon infinité de fois. Ou ka, pardonne moun nan. Yon infinité de fois, ou capable pa pardonner moun nan. Est-ce que vous comprenez? Qui boit apôtre Pierre tes jeunes paroles ça? Apôtre Pierre jeunes paroles ça dans Proverbe 24 verset 16. Dans Proverbe 24 verset 16, parole bon Dieu dit sept fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ça veut dire chrétien lui-même même à partir de sept fois, il commet ton péché. Eh bien, huitième fois, il va aller pécher encore, il est iniquité. Ça veut dire pendant sept fois, il commet péché ça. Bon Dieu, pardonnez. Il considère comme un péché. À partir de huitième fois, il est iniquité. Iniquité, c'est le bien dans le péché. Le bien dans le péché, il est iniquité. Eh bien, dans quel sens Jésus dit à apôtre Pierre dans Matthieu 18, verset 21, c'est 70 fois 7 fois. Ça veut dire 77 fois 7, 7 fois 70, 70 ou multiplier 7 fois, 70 par 7, 7, même 7 par 70, 70 par 7, ça veut dire son infinité de fois. Mais dans quel sens? Ça, c'est le monde, contexte, ça, c'est le monde, fort en bagaille. Ou pardonner, le dit qui ça? Ou pas qu'un bel sous cœur. Puis, quoi qu'il y ait sous cœur pour dire que c'est trois prises de tête après tirer ça sous cœur. Voilà. De pour manquer qu'il y ait mon sous cœur ou vendre. Quand il y a là, ou pas qu'il y ait offrande l'église, ou pas qu'il y ait dîme l'église. L'on a prié, c'est temps, on a perdu. L'on a chanté, on a loué, c'est souhait, on a se programmer, si c'est sport à faire. Parce que mon sous cœur. Et bien, moi, je dis, c'est la Bible qui dit lui. De pour qu'il y ait mon sous cœur, ou pas bien perdu temps, ni prier, ni chanter, ni faire rien. C'est pour faire. C'est dans ce sens ça, Jésus dit Pierre, dans Matthieu 18, 21 et 22, 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois, il dit, 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois. Ça veut dire, à l'infini, il faut retirer le monde sous cœur. Ça veut dire, saleté fort là, il faut retirer le sous cœur définitivement. C'est ça, il le dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, pas confondre ni à l'un mounan, à l'un mounan, commettre yon péché, et puis, ou juste ça le faire, ou est facile, ou bien, non, il n'y a pas de ça. Qu'on y a un bras l'expliquer, donc,
Parce que il y a des gens qui sont toujours dans la confusion. Et ça, on dit gens délicat, pour ne pas dire difficile. Il est très difficile. Attendez. Je vais arrêter pour nous bien comprendre dans Matthieu 18, versets 15 à 17. Et puis, dans 15 à 17, nous allons dans 21 et 22. Attendez bien. Dans Matthieu 18, versets 15 à 17, si on a un péché dans l'église, ils font péché, ils commettent un péché. Dans l'église. Ou bien, ils péchent contre un frère, ou bien un soeur, ou bien contre moi-même. La Bible dit dans Matthieu 18, 15 à 17, dans verset 15, elle dit, m'après les mouna à deux, m'a dit, soit femme, pas femme bien. Vous comprenez? Évitez de faire ça, pas faire encore. Mouna pas attendu de continuer à commettre péché. M'a les deux ou trois témoins, dans verset 16. Li pas attendu moi-même à témoin. Li continuer dans péché, m'a mettez l'église au courant. Li pas attendu l'église, la Bible dit, me considérer comme païen. Nous te font enseignement sur ça déjà là. Ça ne veut pas dire pour pasteur mettre le dehors dans l'église. Considérer comme pas un dire qu'il a toujours venu dans l'église à mourir dans toute activité. Verset 21 et 22. Quand il y a verset 21 et 22, Jésus dit moun sa qui te fait péché, malgré me considérer comme pas un, même pas kembel sous kem. Est-ce que vous comprenez? Pour prier, mieux qu'à exaucer, pour adoration, l'orage, mieux qu'à exaucer, pour offrande, mieux qu'à dire, mieux qu'à béni. Malgré me considérer mon ça comme païen, comme ténèbre, pas dans ami avec l'en comme pas dans ses collègues avec l'en comme on dit mon en créole, mais il pas sous kem, retirer sous kem, c'est lui même qui pardonne 70 fois 7 fois, retirer sous kem, il pas sous kem encore. Qu'on y a nous comprendre. Mais Pierre était jeune pour ça non, Proverbe 24 verset 16. 7 fois le juste homme il se relève. Est-ce que nous comprenons? Mais dans Romains 12 verset 18, côté il dit s'il possible fait tout ça qui dépend de vous pour faire la paix avec tout le monde, quel chrétien, quel païen, là, en dedans, il n'est pas précisé autant combien de fois. Donc, on y a, nous connaît autant, c'est trois fois, selon Matthieu 18, verset 15 à 17. Est-ce que nous comprenons? Selon Matthieu 15 à 17, autant, il dit, mon nègre doit parler là, m'occuper. Ça, c'est un exemple, m'a occupé. La petite réponse sur moi, je dis là, elle pile, je réponds. Là, elle dépend de moi autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Si, s'il est possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes amis, la Bible ne veut pas quitter le monde, faire style sur moi. Parce qu'elle dit, s'il est possible. S'il est possible. Oui, je vais surmonter le mal par le bien, selon Romains 12, verset 21. Certes. Mais la Bible dit si c'est possible, si c'est pas possible, m'obligé camper mon nan sous moi. M'obligé, si c'est pas possible, m'a venir garder le compagnon. Si c'est pas possible, m'a garder le compagnon. Mais pendant m'a garder le compagnon, m'a retirer le sous-kem, m'a pardonner 70 fois 7 fois, m'a pas kembe le sous-kem. Donc c'est ça nous t'apprend ensemble jodi a. M'espérer nous bien comprendre. Donc élève l'école de Dieu en Jésus-Christ dirigé par le Saint-Esprit de Dieu, pressons pour bien dans enseignement ça. Parce qu'il est très difficile. Et sous des questions, n'a posé une question. Numéro personnel, moi, c'est 34 82 35 35. Ça, c'est pour appel. 34 82 35 35. Ça, c'est pour appel. Et pour WhatsApp, c'est 35 85 86 25. Pour WhatsApp, c'est 35 85 86 25. Bon Dieu, bénis-nous, gardez-nous, protégez-nous, sécurisez-nous. Que Saint-Esprit, mon Dieu, bat nos cœurs. Humble, remplis-nous de sagesse d'en haut pour nous toujours prêts, pour nous donner courage, pour nous pardonner, frère, nous, 70 fois, 7 fois, retirer le soukè, nous, l'aide fait nos bagailles. La paix, Jésus-Christ, baila avec nous, selon Jean 14, verset 27. À demain, si Dieu le veut, pour un prochain enseignement. Bye bye.